Le Havre perd une kyrielle de gagnants. Un œil, on ne peut plus aiguiser. Ah oui. La mer, on a acheté un paquet. Alors maintenant, on va passer au lot 40. Très bonne. Produit de Ideal World. Elias World, la championne aux États-Unis, gagnante elle-même d'une kyrielle de groupe. Par le regretté Le Havre. La famille du champion Osbuster. Beaucoup de choses ici. Papier des talons pour ce fils de Le Havre. Et donc ici le frère de Elias World. Supplément au catalogue de lot 40. Fils de Le Havre. Donc combien pour débuter les enchères? 20 000, 10 000. Aux États-Unis où il a poursuivi sa carrière en talent. 10 000 à droite, l'enchère Solène chez vous, l'enchère à 10 000. À 10 000 euros, regardez-le. Magnifique poulain par Le Havre. Allons-y, mettez vos enchères. 10 000, 12 000. À 12 000 euros, 12 maintenant, 12 000, par le rat d'Aspel. À 15 000, Fresh Builder, 15 000. D'ailleurs, le créateur du rat d'Aspel est présent. Qui avait connu très grande joie avec un élève maison Native Trail, qui était champion européen à 2 ans, qui a été battu de pas grand chose. C'est rageant. Ouais, par son collègue de Kazakh Corybus, c'est encore plus rageant. Dans les Guinées de Newmarket. Certains disent qu'il a été piégé un peu par son numéro de corde qui était dans la portion vers les tribunes, qui est historiquement pas la plus roulante. James Doyle, lui, avec Corybus, qui était tout à l'opposé, qui a pu se faire emmener. Et Nate Trail, lui, s'est retrouvé à vraiment faire l'effort tout seul côté tribune. C'est peut-être ce qui coûte la gagne. Bon, pas fini. Va falloir se refaire. Non, va falloir se refaire dans les Saint James. On revient tout à fait. 42 000. On va pas l'enterrer. 42 000. Ça monte pleine vitesse pour Le Havre, ce fils de Le Havre. Le Havre. Regardez le poulain. Je le présenter par Yann Kreff qui est ici présent au bord de la piste. 42 000 euros seulement nous sommes par le regretté. Présent au bord de la piste. Yann Kreff, on va le voir dans quelques instants. 43. On va vers le black tie, le top price, pardon. Je vous rappelle que pour l'instant, le top price est à 56 000 euros. Et là, on est parti très, très fort avec ce produit d'Elisa's, le frère d'Elisa's World, par le 43 000 euros, c'est bien vu. Laurence, votre enchère. Belle, très bel animal. Le Havre qui faisait la monte à 40 000 euros, tout de même. Je regardais ce poulain. 43 000 euros seulement. Extraordinaire étalon. Ce beau poulain, fils de Le Havre. Tu peux nous ramener, rappeler Arnaud, la fameuse phrase de John Miner qui avait dit à Mathieu Alex. Tu peux pas t'imaginer la chance que tu as de sortir un tel cheval avec ton premier étalon. Moi, pour en avoir un comme ça, je dois en passer ça. Et quand c'est John Miner qui parle, on l'écoute. Il en a connu des étalons et des pansements.